J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer la sélection que j'ai faite parmi mes bibliothèques pour participer au Ice Cream Summer Challenge de Kevin de la chaîne Mr. Kev. Je vous la mets en barre d'infos, bien évidemment. Je vous parle pas plus que ça. C'est un challenge qu'il a inventé, qui me semble sympa comme tout. Moi, ce que je prends plaisir souvent dans les challenges, c'est de créer mes piles à lire et de m'imaginer lire ce genre de choses. Les livres que j'ai sélectionnés en tout cas, et pour autant je me mets pas une pression de fou, parce que là il y a combien? 2, 4, 6, 8, 10, oui, il y a 12, 13 livres, ce qui fait un peu beaucoup. Je suis pas sûre de réussir à tous les lire, et si entre temps j'en achète d'autres ou autres, c'est pas très grave, mais je prends plaisir à faire les piles à lire, à les intégrer dans les sous-catégories qu'il a créées, et sur ce je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi. Alors, la première, il s'agit de Douceur parfumée des vacances. Ici, on a trois choix de livres. Le calme au réveil des marmottes, donc fallait choisir un livre qui est soit des animaux, soit qui parle d'évasion ou de développement personnel. Oh, je tapais dans ma gourde. J'ai choisi, moi, un livre de développement personnel que j'ai dans ma palle depuis un bon moment et qui me donne très très envie. Il s'agit de Les secrets des 5 tibétains, dynamisme, santé, énergie et pouvoir, de Christopher S. Killam dans les éditions Guy Trédaniel éditeur. Hop. Et là on est typiquement sur du développement personnel, sur des conseils, sur ces 5 tibétains, sur les chakras, tout ce genre de choses. Donc je pense qu'il va parfaitement dans cette catégorie. De plus, il n'est pas très grand. Voilà, 121 pages, c'est écrit gros, il y a des images. Je pense que ça va aller très très vite. Je les mets où après? Sur le lit. La deuxième, c'est se prélasser sur la plage. Il fallait choisir un roman de plage, rester dans sa zone de confort ou quelque chose qui parle de liberté. J'ai choisi pour ici de rester dans ma zone de confort avec un tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama des éditions Pika Éditions. Là vous avez le tome 9, c'est juste que j'ai pas encore acheté le tome 10 parce que j'attendais que le 11 soit annoncé et prévu. Il est annoncé et prévu pour le 14 juin, si je ne me trompe pas. Donc je vais aller acheter le 10 prochainement et je lirai le tome 10, comme ça je reste dans ma zone de confort. C'est un petit manga, un manga plaisir que je peux emmener sur la plage si je veux. Donc c'est parfait pour cette thématique là. La troisième, c'est Promenade au champ des fleurs, couverture fleurie, colorée, feel good ou écologie. J'ai fait un combo. J'ai choisi Éloge du génie créateur de la société civile de Pierre Rabhi dans les éditions Babel Essai. Ceux qui ne connaissent pas Pierre Rabhi, ses thématiques phares, c'est l'écologie, c'est la planète, c'est la résilience, c'est ce genre de choses. Donc on est dans l'écologie. Là, la couverture, elle est fleurie, hein. Donc on est aussi pour couverture fleurie. Pareil, le livre n'est pas très gros. Je suis maligne, je gruge un peu. Attendez, il fait... Ah, bah dis donc, il y en a des notes. Il fait 50 pages. Voilà, autant te dire que celui-là, je peux y arriver. Pouf! Pour la première sous-catégorie, on est bon. La deuxième, c'est les plaisirs glacés de l'été. Première, c'est Mélodie du camion de glace, jeunesse, conte ou poésie. Et là, j'étais trop contente de voir conte parce que je regarde régulièrement dans mes bibliothèques ce qui peut me donner envie. Et on a deux livres de conte, conte d'Algérie et conte de Chine. Et je me dis, punaise, ceux-là, faut que je les attaque parce que franchement, ça m'intrigue de découvrir les contes de là-bas. Donc, c'était vraiment l'occasion. L'éditeur, c'est chez Milan. Hop. Ah bah il est assorti avec mon pull, sublime. Et voilà, niveau compte, on y est. Là, on est sur des comptes d'Algérie, du coup, pour le coup. Il n'y avait pas spécifié quel genre de compte. Et ça, ça me donne bien envie. C'est, je sais pas, ça a l'air sympatoche. En tout cas, ça me rend curieuse de le découvrir. Donc, celui-ci, j'espère vraiment, vraiment pouvoir et avoir le temps de le lire dans les mois qui suivent. Sachant que le challenge est du 1er juin au 31 août, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même pas mal de temps, mais il y a d'autres choses à faire à côté aussi, donc je sais pas si je vais lire tous mes livres, je ne pense pas.
Le deuxième, c'est sorbet et crème glacée, romance, diversité ou dualité. J'ai galéré, j'ai pas beaucoup de romans de romance, c'est pas trop mon dada. Mais je me suis dit, diversité, dualité, romance, on cale un peu tout ça dans les culottés. Les culottés de Pénélope Bagieu, donc là c'est l'intégrale chez Gallimard Bande Dessinée. Oh, il est lourd à bout de bras. Et ici, comme on est sur quand même les biographies illustrées des plus grandes femmes de notre planète qui ont fait des choses incroyables chacune dans leur thématique, si je puis dire, je me dis qu'on a de la diversité à donf quand même. On a des romances, parfois un peu folichonnes, et pas mal de dualité aussi. Hein, donc je pense qu'avec cette intégrale, et même pas forcément l'intégrale, hein, avec le tome 1 ou 2 de... des éditions de base déculottées, on est complètement dans le thème. Il est lourd ce livre, je le repose juste à sa place. Hop, il est là. Téléphone. Touk touk touk, gelée de cerveau au granité, frisson fraîcheur ou petit livre de moins de 150 pages. Je pense que vous aurez compris lequel j'ai choisi parmi ce que je vous ai montré. J'ai choisi un petit livre de moins de 250 pages. Et je me suis dit, tiens, dans les petits livres que j'ai, souvent c'est du théâtre. Et j'ai envie de lire du théâtre. J'ai choisi du coup Le mariage de Figaro de Beaumarchais aux éditions Librio Théâtre. Et vu bien moins de 250 pages, il en fait combien lui? 121. Donc ça loge. J'ai envie de lire celui-ci parce que je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, ou en tout cas sur Insta. L'année dernière avec mon chéri, on est allé voir un théâtre-opéra, et c'était Le Barbier de Séville, en opéra de plein air. On était assis dans des gradins, dans des vestiges gallo-romains, bref, c'était juste une dinguerie, j'ai adoré. Et je me suis dit, ma mince, maintenant je veux connaître la suite, je veux savoir ce qui va se passer maintenant que j'ai vu Le Barbier de Séville, moi je veux la suite. Donc je me suis acheté Le mariage de Figaro à 2€ chez Gibert. Et je pense que je vais l'attaquer parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Même si l'opéra était en italien et qu'on comprenait rien, il y avait quand même un petit écran au coin avec quelques sous-titres français, donc on a compris l'histoire. Mais c'était tellement bien joué, avec les costumes tellement bien faits que bah, ça passait quand même. Voilà. Et du coup, j'attaque la suite et j'ai très envie. J'arrête pas de vous dire que j'ai très envie et j'en ai déjà 5. Et je suis pas sûre que 6. Mais si, mais si. Mais si, mais si, mais si. Ça passe. Alors, touk touk touk, on passe à la troisième sous-catégorie. La catégorie rayon de lune estivale. Première sous-catégorie, soirée de fête pour la musique, musique, art, amitié, roman, choral. Là, j'ai galéré et par défaut, j'ai pris un livre d'art. C'est un livre de chez Rivage Graphique, ça s'appelle version originale, sous-titré français. De Jean-Claude Goetting, hop, je vous le mets là. Et j'ai pas beaucoup de livres sur l'art, mais je me suis dit que c'est le seul, qui, enfin en tout cas c'est celui qui m'est venu à l'esprit, qui pouvait carrément correspondre à ça. Parce qu'en fait il s'agit de, voilà, d'images avec des sous-titres en français, d'images qui pourraient être comme des images tirées de films, mais le film n'existe pas. Voilà, c'est de l'art, je l'ai mis dedans. Ça va être vite, vite à relire, hein, c'est quelque chose qui... Enfin, il n'y a pas de texte, c'est à admirer les images, comprendre un peu les sous-entendus, les émotions et compagnie. Donc je pense qu'au niveau de l'art, on est pas mal avec celui-ci. Feu nocturne de l'arc-en-ciel, célébration, inclusion, fantaisie, fantastique. Je suis partie sur du fantaisie, fantastique, parce que dernièrement, j'ai regardé une vidéo des mots de l'imaginaire, qui date un peu, je crois, c'était sur commencer la fantaisie, quelques livres pour commencer la fantaisie. Et à l'intérieur de cette vidéo, elle nous parlait du livre Magicien de Raymond Hefest. Je crois qu'il y en a 4, on a tout nous, mais je crois qu'on en a 4, hop, je vous mets là, dans les éditions Milady. Et on est typiquement sur de la fantaisie, là. Et c'est par contre, lui, 600 pages. Voilà, on passe sur un autre terrain. Mais mon copain les a lus, il a adoré, donc pourquoi pas. J'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai choisi celui-là. Parce que ouais, ça tombait à pic avec ce que je venais d'entendre et comme il me donnait envie. Donc, let's go. La dernière sous-catégorie, c'est Marché de la nuit en effervescence, livre populaire, drame ou rencontre. J'ai un peu galéré.
galéré là aussi, je l'avoue. Mais je me suis dit, livre populaire, livre connu, livre dont on entend parler, que j'ai pas lu, je suis allée voir dans mes totems de chez Gallmeister, parce que je me dis quand même, ça fait un bout de temps que j'en ai pas lu, j'en ai pas mal et j'aimerais bien avancer. Et j'ai choisi Le gang de la clé à molette de Edouard Abeille dans la collection totem de chez Gallmeister. Ils sont trop beaux hein ceux-là. J'aime trop. Et en fait, Le gang de la clé à molette, je me rends compte que c'est super connu. Genre, il y en a plein, enfin plein de gens que j'ai rencontrés que je vois sur YouTube et autres qui en parlent. À ce qui paraît, cet auteur est pas mal connu et en tout cas, ce livre aussi. Pareil, là on est sur un petit 500 pages, bien transparente les pages, bien écrit petit. Mais bon, on me l'a bien vendu. C'est un livre que je pense être pas mal populaire. En tout cas, j'espère que c'était ça et que je suis dans la bonne catégorie. Et voilà, c'est celui-ci. Et il a pris l'eau. Un plaisir, la pluie. Ensuite, donc, on part. Oh! Mais oui! On arrive à la dernière sous-catégorie. Enfin, la dernière catégorie et sous-sous après. C'est Bienvenue dans la boutique des souvenirs. Première de nouvelles photos pour l'album. Un graphique, une nouveauté ou un beau livre. Ici, j'ai choisi un graphique. Et pas n'importe lequel. J'ai choisi mon édition collector de Les Artilleuses dans le Paris des Merveilles. Le vol de la Sivillaire de Pével et Willem. Et dans ma belle édition collector comme ça. Les Artilleuses, c'est une trilogie de BD, donc si jamais vous vous y attaquez, vous arriverez très vite au bout. Je sais pas si... Oui, vous les verrez. Le 2 et la 2. Le tome 2. Et le tome 3 sont là. Et ça se passe dans l'univers du Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc un univers qui est quand même très 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 riche, où il se passe pas mal de choses. Et là, on est sur une histoire de vol où nos trois artilleuses vont être embarquées, etc. Je ne vous en dis pas plus, je l'ai mis dans les graphiques parce que c'est un graphique et que me réattaquer cette petite trilogie ne me déplaira pas du tout. J'hésitais en vrai avec Zombilenium que je kiffe aussi, mais ça y a moyen que je les relise. Mais peut-être je vais me les garder pour Halloween parce que ce sera dans le thème. Comme vous l'avez vu, j'ai pas énormément de BD, j'ai que deux sagas et les culottés, mais je les aime trop, celles que j'ai. Donc, ça va être Les Artilleuses. Ensuite, Souviens-toi de l'été dernier, thriller, polar, secret ou relecture. Et là, je corresponds aux quatre petits sous-titres. J'ai choisi Manhattan Palace de Carole Genex dans les éditions Rivage Noir. Hop, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo parce que c'est ma dernière lecture, donc ça va. Dans relecture, il s'agit d'un polar, donc ça marche avec polar. Et secret, il y a beaucoup de secrets de famille et le secret de qui est le meurtrier ou la meurtrière. Donc, ça correspond à tout, tout, tout. Et en vrai, c'était une chouette lecture, je pense que je vais le prêter, rien à voir, mais le prêter à ma maman. Parce que ma maman, elle adore les policiers et je pense que ça peut lui plaire. Voilà. Et last one, it is... La carte postale et le souvenir d'ailleurs, j'ai pas réussi à traduire ça en anglais. Épistolaire, livre offert ou nostalgie, et là ça va correspondre à livre offert et nostalgie. J'ai choisi un Twisted Tale, ça fait un moment que je vous ai pas parlé des Twisted Tales, alors qu'il y a un temps je vous rabâchais ça toutes les vidéos. Ouh ! Ah oui, je tiens à dire ce qui sort, le bandeau. C'est Oser ses rêves de Elisabeth Lim, et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, dans la collection Hachette Heroes. Je sais pas si... Ouais. Ils sont... Par contre, ils sont trop beaux. Hein. Et les Twisted Tales, en fait, c'est des contes réinventés. Ça va dans Livre Offert parce que c'est ma tante et mon oncle qui me l'ont offert à Noël. Et ça va aussi dans... C'était quoi? Réécrit? Non. Oh, flûte. Nostalgie, voilà. Livre Offert et Nostalgie. Bah parce que Cendrillon, quoi... J'ai 22 ans, Cendrillon, je le regardais quand j'en avais 4, voilà. Après, les Twisted Tales, c'est des... Aïe! Oh, je croyais qu'il y avait une tache, mais non, c'est dans le dessin. C'est des belles bricasses, après c'est écrit quand même aéré et gros. Par contre, moi, mon souci avec les Twisted Tales, c'est qu'il y a certains auteurs, autrices, j'apprécie de ouf leur écriture et ça me plaît bien. Blanche-Neige, c'était le cas, je sais plus si c'était elle ou pas. Et il y en a d'autres, j'ai plus de mal avec leur écriture. L'autre, je sais plus ce que c'était. Elisabeth Lim, je sais que j'en ai un d'elle. Et du coup, je sais pas si c'est celui-là qui m'a plu ou déplu. Donc, on verra bien. Voilà. Est-ce que je vous les montre tous? Oui. Ils sont tous là. Oula, oula, oula.
lecture terminée. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez le challenge ou s'il vous intéresse. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mr. Kev. C'est génial comment il nous l'explique. Sur ce, si jamais vous préparez une pile à lire, même si vous répondez pas à tous les critères, même si c'est 2-3 livres, moi ça m'intéresse bien de savoir ce que vous avez mis dans telle ou telle catégorie. On pourra en discuter, en vrai c'est sympa. N'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez en commentaire, sauf des choses méchantes, parce que ça c'est pas gentil et ça se fait pas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, bonne soirée et joyeux Noël. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !